Bonjour à tous, c'est Mythidoka. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Last Day on Earth et aujourd'hui on va se faire le petit raid. Donc durant la semaine dernière on a validé certaines quêtes ensemble, j'ai validé les autres en off et on va voir ce que ça donne. Donc on va y aller à l'aveugle, j'ai pas envie de regarder sur YouTube, on va voir quelle base nous attend et on va découvrir ça ensemble. Allez c'est parti, petit temps de chargement. Donc j'ai hâte d'avoir la prochaine mise à jour, histoire de voir ce que nous réserve la saison 2. Enfin, apparemment ce sera pas la meilleure ce sera la saison 3, donc on verra bien. Allez, cette base là, je la connais pas, ça me dit rien du tout en tout cas, donc on va voir ce que ça donne, j'espère que c'est une bonne base. Donc j'ai pris le matériel habituel, j'ai pris deux C4, des hachettes et j'ai bien vérifié cette fois-ci que je n'avais pas oublié les silencieux sur mes Glock. Allez, c'est parti, on rentre dans la base et on va voir quel type de base on a. On va faire le tour du proprio. Avant, je vais mettre ça ici parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà, ça, comme ça. Impeccable. Alors, déjà, là-dedans, il y a quoi? Ok, bois, cailloux, ok. Bon, ça va, c'est sans plus. Ok, là, il y a des pics. Ah, mais c'est une toute petite base. Ok, c'est vraiment une petite base. Bon, après, des fois, ça veut rien dire. On peut trouver du bon loot. D'accord, il n'a pas fini son chopper. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. On sait jamais. On va rentrer par la porte, je pense. On va péter ici. Voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. une mini base cancer. Pourquoi pas? Allez, on va continuer à rentrer dans la base. Ok, là il y a trois coffres. Il y a une pièce dans le bout. On va regarder. On va ouvrir. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Trois coffres, c'est peu. Ok, il y a deux coffres de plus ici. Ça me va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les coffres. Il me reste que trois haches. On va ouvrir les coffres. Ah, je me suis trompée de bouton. Ouais, et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Normalement, ça va faire pop la première vague de zombies. Ils arrivent. On a le temps d'ouvrir le dernier coffre. Ouais. Du coup, je vous fais une petite ellipse. Allez, tout le monde a pris sa claque. Alors, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Il y a quoi là-dedans? Ok. Éventuellement, on va prendre la peinture pour les futurs motifs chopper au cas où. Puisque avant, je ne la prenais pas. Là, pourquoi pas, je sais pas quoi prendre. Ok, de l'essence, ça m'intéresse. Éventuellement, les piles dans le recycleur, ça donne du cuivre. Là, on va prendre quoi? On va prendre ça pour up le chopper. La bauxite pour les raiders. Le reste, je ne sais pas. Ici, ouais, peut-être le cuir. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans les autres salles. Avant, on va ouvrir le dernier coffre qui est ici. Allez, c'est parti. Il y a quoi là-dedans? Ok, le ticket rouge, on a quand même un Glock, c'est plutôt pas mal, des barres de fer. Allez, je vous fais une petite ellipse, les moches arrivent, à tout de suite. Donc, on a quand même un Glock sur une petite base, c'est mieux que certaines grandes bases sur lesquelles je suis tombée. Donc, moi ça me va, j'ai pas utilisé de C4, hein. Les quêtes n'étaient pas forcément très reloues. Donc, bon, pour moi le raid est rentable, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi il est rentable. Allez, là, on a trois coffres. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que j'aurai assez de haches. Hein. Je suis pas sûre. Ah, c'est cassé. Un épu. Je crois que j'ai vu du bois et des cailloux. D'ailleurs, là, il y en a. Ok. Ici, est-ce qu'il y a du bois? Non, il y a des barres de fer. Ça, on va prendre. Éventuellement, on prend le cuir. Ça peut être intéressant. On va prendre des cailloux et je vais chercher du bois. J'en ai vu tout à l'heure, mais je ne sais plus où. Ouais. On va regarder dans les coffres. Alors, non, pas ici. Là, non, c'était pas là. Celui-ci, ici, non plus. C'est des cailloux. Ici, non plus. Là, non plus. Ah, c'est peut-être dans le pick-up. Hein. Il me semble que c'est dans le pick-up. Ouais, ça doit être dans le pick-up. Allez, c'est parti. On va au pick-up. En même temps, on va en profiter pour mettre 2-3 trucs dans le chopper. Hein. On va crafter une hachette, histoire de voir ce qu'il y a dans ce dernier coffre. Ah bah il est là le bois, nickel. On va mettre les trucs dans le chopper, histoire de libérer de la place. Voilà, on va mettre le Glock ici, donc un Glock. Bon, il est un petit peu entamé, mais bon, pour une petite base comme ça, on a un ticket rouge, de l'essence, un Glock, des barres de fer. C'est plutôt sympa, je trouve.
Même si en soi, effectivement, c'est pas la règle du siècle, voilà, c'est pas énorme, mais vu les raids pourris sur lesquels on est tombé ces derniers temps, je trouve que je n'ai pas à me plaindre. Allez, c'est parti, on prend le bois, on va crafter une hachette, ça va faire du bruit, ça va faire pop la vague de zombies, ellipse. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on va déposer le bois et les cailloux ici, on va mettre ça là. Voilà. Alors, on va voir si on peut prendre deux, trois petits trucs. Je sais pas s'il y a des trucs qui m'intéressent. Et on va ouvrir, bien entendu, le dernier coffre. Hein. On va faire ces coffres-là d'abord. Alors, là-dedans, il y a quoi? Non, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Ici, on va prendre éventuellement ça, même si j'en ai pas besoin. C'est des trucs qu'on peut donner aux raiders. Au pire, si jamais ils sont gourmands, on va prendre ça aussi. On va mettre ça comme ça, voilà, histoire que ce soit à peu près rangé. Là-dedans, il y avait quoi? On va prendre le cuir ici. Bon, ticket vert et ticket orange. Vous avez vu ma base? J'en ai des coffres, enfin deux coffres pleins. Donc ça sert à rien que je les prenne. On va ouvrir le dernier coffre et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis je pense qu'on va arrêter le raid ici. Allez, c'est parti. Il y a quoi là-dedans? Ouais, bon, on va prendre du bois. Ça me fera du charbon pour faire les plaques d'acier, puisque je continue à en faire. On libère une place et on va prendre, je sais pas du coup, je sais pas du tout ce qu'on va prendre. Bah, le cuir, tiens, c'est parfait. On va partir comme ça me paraît plutôt pas mal. Donc, raid pas ouf, mais tranquille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la base et on va voir ce que les raiders vont nous demander comme loot, hein, en échange de tout ceci. Allez, je vous fais une petite ellipse le temps du trajet. Nous sommes arrivés à destination. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez, les pépères? Si j'ai de la bauxite, si je vous donne de la bauxite, est-ce que ça va? Ouais, bah c'est nickel. Allez, partagez. En allez-vous? On va les rappeler. J'espère avoir des quêtes pas trop embêtantes à faire. On va bien voir. Ok, ils sont appelés. On va voir ce qu'on va avoir. Du coup, on va les attendre. Ils sont longs à arriver, quand même. Bon, loot correct. Bon, bah, ils viennent ou pas? Ah, bah, les voilà. Alors, achète. Ok, C4, c'est bon. Oh, quatrième étage, ouais. Le colonel, ça va. Ah, la sorcière, j'aime pas ça. 2C4. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!